Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Donc on va voir maintenant le temps, la cinématique et dynamique newtonienne. Donc c'est une partie du cours de la physique. Nouveau programme. Donc le grand 1, on va commencer par la cinématique. Pour ce qui concerne le temps, vous pouvez étudier un petit peu pour ce qui concerne le temps, l'histoire du temps, etc. C'est bien de voir ça. Bon, on va commencer par la cinématique. Donc la cinématique, c'est tout simplement l'étude du mouvement d'un point matériel. C'est-à-dire, on ne considère qu'un point matériel. Juste un point. Juste un point de zéro dimension. Donc, ce point-là, on étudie son mouvement. C'est tout. On n'étudie pas les forces. Les forces appliquées sur ce petit point. Ce qui nous intéresse en cinématique, c'est seulement le mouvement. Et seulement le mouvement. Vraiment, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ici, comme vous pouvez le remarquer, j'ai pu dessiner ça, ce que vous voyez devant vous. Ce que je viens de dessiner, c'est une grande simplicité. Parce que je peux tout simplement effacer ça et réécrire ce que je viens d'effacer ou dessiner ou bon, ce que vous voulez. Bon, ce que je viens d'effacer et ce que je vais représenter là, c'est tout simplement notre repère. Donc ici, on a un certain repère. Bon, il est orthonormé direct. Donc ici, ça c'est O, ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z, ça c'est l'origine. C'est-à-dire, bon, ce que vous voyez, ce X, O, Y, c'est tout simplement, on peut dire, bon, c'est le sol que je peux voir maintenant, ça c'est le sol, c'est X, O, Y. Bon. Si donc le sol, ça c'est tout simplement deux dimensions, bon, on peut ajouter le OZ pour obtenir bon, tout l'espace en trois dimensions. Donc ici par exemple, si j'avais un certain point qui est dans l'espace, bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, pour le repérer. Bon, tout simplement, je dois partir, je dois définir une certaine origine qui est cette origine-là, et je vois ce point-là. Donc, ce point-là, il est dans l'espace, tout simplement comme ça. Donc, on introduit ce qu'on appelle le vecteur position qui est OM. Donc, ici, j'ai tout simplement notre vecteur position OM. Donc, le point M, il est quelque part là. Donc, je vais tout simplement ajouter la base cartésienne, qui est tout simplement OI, O, bon, IJK, IJK, voilà, IJK. Donc ce sont des vecteurs unitaires, c'est-à-dire que ça no que les normes de ces trois vecteurs unitaires est égale à 1, tout simplement. Donc ça c'est un vecteur orthonormé direct, c'est-à-dire ortho, c'est-à-dire que OX il est perpendiculaire à OY, est perpendiculaire à OZ, normé, c'est-à-dire que la norme de I est égale à la norme de J, est égale à la norme de K, est direct, bon, direct, c'est-à-dire que il est comme ça, IJK, c'est-à-dire que si je fais I vectoriel J, ça va me donner K, si je fais J vectoriel K, ça me donne exactement I, c'est ça direct. Bon, pour ce qui concerne l'orthonormé direct, bon, c'est pas la peine pour l'instant, et je crois, c'est pas la peine de bien comprendre ça, mais je sais pas. Donc, c'est ça, orthonormé direct. Bon, pour ce qui concerne le vecteur position OM, son expression, c'est très simple. Donc, connaître le vecteur position OM, c'est connaître à chaque instant la position du point M. Donc, c'est pour cette raison que le vecteur position OM est très important, c'est-à-dire que je peux fermer les yeux, c'est-à-dire que si je connais le vecteur position OM, son expression, je peux fermer les yeux, bon, bien sûr, avec des conditions normales, bien sûr, si les conditions ne changent pas, je peux fermer les yeux
et attendre et ne pas voir le point M. Et j'ouvre les yeux et je fais pause. Bon, imaginez ça, je fais pause à autant et tout ça. Et je peux repérer le point M. Je peux vous dire où est le point M sans le voir. C'est-à-dire, il suffit juste de faire les calculs et je peux vous dire, voilà, le point M, il est là. Et il doit être là si je peux connaître le vecteur position OM. Donc, le vecteur position OM, c'est tout simplement x suivant le vecteur i. Le vecteur i, on a dit, c'est un vecteur unitaire. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute le y. Bon, on va expliquer ça. Le y suivant j. Et puis, j'ajoute quoi? J'ajoute tout simplement z suivant quoi? Suivant le vecteur unitaire k. Donc, pourquoi ça? Eh bien, c'est d'une pure simplicité. Bon, si je fais la projection de ce point, grand point M sur le sol, sur le plan OX, Y, je peux obtenir un petit point M, tout simplement, justement là, devant vous. Donc, ici, j'ai, donc, si je fais la projection, bon, c'est pas une, bon, si ce point M là, donc là, j'ai X, voilà. Donc, c'est comme une projection. Donc, ici, j'ai, voilà, ça, c'est petit y. Ça, c'est petit y, c'est-à-dire que ce vecteur-là, OM, si on utilise la relation de Schall, oui, de Schall, on va avoir que ce vecteur O, petit m, c'est OX plus OY. Alors que OX, bon, c'est tout simplement x suivant i, parce que tout vecteur dans le monde s'écrit comme sa norme suivant son vecteur unitaire. La norme de ce vecteur qui est OX, c'est tout simplement x. Vous le voyez là devant vous. Donc x suivant i. Pour ce qui concerne l'autre, c'est tout simplement y suivant j, comme j'ai expliqué là. Pour ce qui concerne l'autre, c'est tout simplement là. Je fais la projection comme ça, j'obtiens un petit z. Et là, OZ. À savoir que O petit m, c'est tout simplement O m. Je veux dire, à savoir que O grand M, c'est tout simplement O petit m plus petit m grand M. Le petit m grand M, c'est tout simplement OZ. Alors que le vecteur OZ, comme l'explication que je fais pour OX, c'est tout simplement Z suivant K. Donc c'est la norme suivant ce vecteur unitaire qui est tout simplement K. J'espère que ça, c'est bien parfait. J'espère que vous avez bien compris cela. Donc pour l'instant, le vecteur position OM, c'est ça. Après, on va voir le vecteur vitesse V.